Et salut à tous, on se retrouve dans un épisode de Arc. Alors aujourd'hui on va essayer de tamer un sarco, vu que la dernière fois on n'en a pas trouvé. Alors je suis allé ici hein, parce que d'habitude il y en a et il n'y a rien. Alors ensuite, d'ailleurs j'ai pas dit, mais j'y avais le Carnot niveau 16. Alors j'ai essayé de le tamer mais ça n'a pas marché, hein. Il a... Enfin genre il est mort dans l'eau quoi. Donc bon, pour l'instant, pas... Bon, vraiment pas chanceux. Mais du coup je reprends l'enregistrement maintenant parce que bah, c'était vraiment pas intéressant, j'ai fait genre y'a rien qui s'est passé, c'était encore n'importe quoi comme dans l'épisode 2, hein, j'arrivais rien à faire. Bon je suis pas mort mais... Ben voilà, quand on parle... Ok attends, niveau 12, je vais regarder sur le detex. Alors pour un sarco niveau 12 il y a écrit 8 flèches, donc c'est tout autant que le machin, pourtant il est moins haut niveau, mais je pense que ça devrait suffire du coup. Je vous jure par contre que je l'avais trouvé depuis tout à l'heure et je l'avais même pas vu. 3, 4, 5, 6, 7, et il fuit tout le temps. Et il fuit. Qu'est-ce que ça dort? Ok. Bon, bah, du coup, non. Je l'avais vraiment pas vu et du coup là c'est cool. Je vais lui en mettre 20. Il y en a une qui va périmer. Ah mais cool. Vraiment je suis content. C'est vraiment genre vraiment à chaque fois c'est trop utile et tout. Après on va rien. Ok c'est bon. Bon du coup il y a de la viande qui a pas périmé. Alors c'est pour le tuer, hein, pour rien d'autre. Il coûte tellement cher le Ptera dans la tête. Bon après il est que au niveau 12 ouais, donc on va pas faire grand chose avec un hein, genre. Je sais même pas s'il tente contre un Rex pour l'instant. Après vraiment si on trouve un haut niveau. Vraiment ça sera génial. Ah mais si je l'avais vu plus tôt je me serais pas emmerdé avec le machin là, le Carnot. Bah au moins on a plus de Carnot ici. Est-ce que j'essaye de le tuer en vrai? J'attends qu'il stagne et on se retrouve plus tard. Ok, du coup, on se retrouve à la base. Alors, j'ai pas encore fait les narcos. Le sarco a bien avancé et surtout, j'espère que rien n'a disparu. Parce que, en fait, j'ai déconnecté et je suis revenu. Et il y avait écrit qu'il y avait une mise à jour des mods et que du coup, ça allait peut-être me perdre des choses. Sauf que vu que j'ai pas de mods, je sais pas si ça va me faire. 97, tout comme ça, c'est nickel. Ça. Hop là, on va vite fait aller farmer avec lui. Mais du coup, ouais, on est dans un sarco, ça va être. Ouais, mais du coup, ouais, ça, on aura un sarco, on n'aura plus que la selle. Et de trouver un peu plus haut le level 6. Hey!
Ça c'est bon, je pense. J'ai assez de narco, ouais, de narco péri, ouais. Ça devrait aller pour refaire un peu de flèches. Je vais aussi refaire des flèches normales. Est-ce que je passe au bout? Alors maintenant, hop 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 hop. Hop hop hop. Et 66, c'est bien. Ouais, et comme ça. Pour faire, il faut mal franchir, on va prendre 400. Du coup, on va pouvoir faire 200 flèches et puis de la fibre. Ouais, n'empêche, vu à la vitesse où ça va, je sais pas si je vais faire. Je pense que je vais plutôt en faire 50. Ouais, non, je pense que je vais plutôt faire 100 flèches que 200. Non, quoi que ça dérive. Quoi que. Bah, pour faire 200 flèches, il me faut 400 de fibres et c'est assez long. Faudrait une faucille, mais du coup, ouais, on l'a dans deux niveaux quoi, et en plus, ça coûte cher en métal. Je crois qu'elle coûte 32 métal la faucille. Ouais, là, il n'y a rien d'important. Bref. Il me faut aussi que je trouve un endroit où il y a du métal. J'irai voir en hors caméra, je pense. Ok, c'est bon. Donc, je suis parti. J'ai eu le temps de faire les 400 flèches, mais pourquoi il mange pas l'autre là? Sa nourriture baisse pas. Ça doit être bugué, non? Pourquoi sa nourriture baisse pas? Là on va le voir parce que c'est bizarre. Ok, alors d'ailleurs je viens de penser, pendant qu'on y est, pourquoi pas prendre un raptor vu que ça va plus vite. En plus j'ai fait des flèches, donc normalement si jamais on pourra peut-être tamer le rex. Je suis arrivé au sarco, alors j'ai replacé la viande de coup et du coup il mange, c'est nickel. Alors par contre le rex, je vais pouvoir l'endormir et peut-être le tamer du coup. Ouais, casse-toi. Ouh, il en a pris deux, nickel. Non, moi je voilà. Et du coup je peux apprendre la faucille. On la fera pas maintenant vu le prix. Non, 18. Ah mais c'est peut-être. Bah non, moi je fais plus ce qu'il fait. Attends, le carnot là-bas il est niveau. Il n'y avait pas un rex à 2 minutes ici, il me semble que je l'avais vu. Wouah! Non mais ils sont pris. Ouais, j'ai vu la sacoche, c'est sur moi. D'attaque de bon, on prend ça au cas où. Ouais, de voilà, de pourcent d'attaque. Et moi je prends deux niveaux encore, mais souvent des problèmes parce que, voilà. Alors maintenant du coup, est-ce que le Carnot s'est fait bouffer? Ah non, 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 non. Il y a encore cela, non mais. Ah, comme ça, c'est pas des dégâts, c'est cool. C'est étonnant, mais du coup, sauter, ouais, ça fait plus de dégâts, c'est nickel. Je saurai pour la prochaine fois. Il y a 600 PV, ça peut toujours être utile de sauver. C'est la moitié de sa vie.
Niveau 16 et l'autre niveau. J'aurais pas le temps de voir. Putain, mais ils vont se calmer celui-là. Elle est une bonne petite famille de parents. Un meilleur. 64 64, je me demande combien il faut de flèches. Sûrement beaucoup trop. Je crois que lui en avait déjà mis deux ou trois. Du coup, ouais, on va prendre ça et ça. En attendant, alors on regarde. Ok, lui en même temps. On passe au niveau. Et je regarde vite fait Dododex. Apparemment pour un niveau 64 il faudrait 19 flèches. Donc on a largement les moyens. C'est beaucoup moins que ce que je pensais. Ok c'est bon. Donc ouais. Du coup il me semble oui parce que j'avais quitté le jeu et je suis revenu. Alors il me semble que l'autre c'était 19 flèches. Ouais le deuxième carnot. Donc on va tamer. Ça ne doit pas être hyper compliqué. Je vais essayer de faire une bonne bestiole. Je le vois plus. Ouais, je voudrais qu'il attaque quelque chose comme ça, tu vois. Il dort pas, mais comment ça se fait? Merde. Même pas où il est parti le truc. Moi j'en ai mis 19, après j'en ai loupé beaucoup aussi, mais je fais.
Après, vu que j'en ai loupé quelques-unes, j'ai dû m'accompagner. 3, 4, 5, et hop là. J'ai vu qu'il y en avait un troisième là-bas, donc si on pouvait avoir un trio de Carnot, ce serait plutôt pas mal. Ok, déjà, on a un serpent. Il est niveau combien de coups maintenant? 20. Je pense qu'il faut une dizaine de flèches, ouais. Je sais pas si je prends ou pas. Je pense que oui. Mais attends, mais il est trop malin, c'est pas possible. Depuis quand dans Ark ils savent faire ça les... A mon avis, il a voulu prendre le machin, mais qui s'est barré. Mais fais pas caca maintenant! Ça. Là, dort. Qui dort. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, le troisième, il est endormi. Après, il y a sûrement la carbo. Non, mais tu peux. Calme, c'est bon, je vais le faire. Vas-y, je vais augmenter sa vie quand même. Une de vie quasiment, c'est génial. Ok, bon, je vais ramener le deuxième Carnot. Mais c'est en juste à côté d'ailleurs. Ouais, non, vraiment, ils étaient à côté quoi. Ouais, bah, du coup, en fait. Et tu suis? Par contre, le sarco, je suis trop content, franchement. Mais putain, je vais vous... Ouais, mon raptor, j'avais plutôt fort. Mon sarco, il est plutôt lent. Après il est niveau 17, mais j'essaierai d'en trouver un plus rapide. Attends. Distance de suivi, ouais, très proche. Ouais, du coup, il suit quand même. Mais c'est parfait! J'ai mal perdu quand même. Que faire de mieux? Attends, par contre, je vais supprimer les mouvements de l'appareil ici. Et on va remettre des vraies flèches. Hop. Waouh, c'est bon.
très bien, on peut se le faire. C'est niveau combien toi? Non. Les carnages sont de plus en plus humains. Allez, le nez. Allez. Ok, c'est bon. J'ai bien envie de tester le contour en vrai. Après, t'as attendu une minute. Moi, quoi que je fasse, on fait ça. Ouais. En fait, c'est le carnot qui, je pense, fait tout ce qu'il sort. Ouais, il était pas là et il l'a quand même éclaté. Celui-là, on le camera parce qu'il est vraiment stylé. Bref, mais ouais, du coup, on a bien m'en sorti. On s'en est bien sorti. Bon, alors il pleut, mais le feu de camp marche encore. Bon, alors est-ce qu'on se ferait pas un petit chemin à vite fait histoire de bien terminer? Ok, bon, il a mis longtemps à dormir, mais au moins maintenant on y est. Ok, donc maintenant la larve, hop là, elle se réveille. Voilà. Et je pense qu'on va se terminer là-dessus. Hein. J'irai les chercher dans l'autre épisode. Hop là, hop, hop, hop. Non, hop. Et du coup 97 c'est les machins qui vont manquer. Ouais ça. Bon c'est ça. Et du coup c'est devant cet attroupement de dinos que se termine la vidéo. Alors il en reste deux là-bas, mais j'irai les chercher dans le prochain épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu. A plus.